Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur MGS3 où on était en train d'attaquer la montagne avec des soldats qui passent juste à côté de nous. Attention. Attention à l'hélicoptère. Ah non, il y a un RPG là, on met presque inédit. Et on va s'en aller. On va sortir, notre petite cachette, et on va voir. On peut manger l'oiseau, hein. Ne vous inquiétez pas, on peut le manger. Alors attention, on va faire quand même gaffe, on va éviter de recréer la troisième guerre mondiale comme à chaque fois. Autant que possible. Alors ces canons fixes, vous pouvez les prendre et abattre les hélicos avec. Alors si vous le faites, vous êtes instantanément repéré. Certainement à cause du bruit que ça fait. Hein. Voilà, attention, il arrive. Alors, in, vous savez, nous, c'est notre spécialité. Alors, pour une fois, dans celui-là de MGS, il n'y a pas de boss avion. Il y a un boss volant, mais c'est ni un avion, ni un hélicoptère. Vous verrez ce que c'est. Putain. Ceux qui connaissent pas le jeu, je ne vous spoil pas. Et non, ce n'est pas le Chagot. Ça, je vais vous le spoiler quand même. Bien solide toi. Plus j'avais visé la tête, hein. Je suis désolé. Allez. Pourquoi on n'a pas un sniper silencieux? C'est quand même vachement pratique. Vous ne trouvez pas? Pourquoi je peux pas avancer? What's wrong? Who's that? This is HQ. Patrol here. Patrol here. Yeah. Barrons-nous ! Where'd he go?
intruder going into high alert. Acknowledge. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Who's that? Huh? De se prendre une roquette dans la bouche. On va enlever le SVD, on va prendre le M37. Toujours dans la délicatesse. Hein. Vous l'avez dit, nous on fait de l'infiltration. Et si j'étais tout le temps sneaky, vous feriez chier. Alors que là, il y a un peu de tension quand même. Il faut aussi toujours un peu de tension. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Alors, faire attention aux hélicos. Hein. On peut tuer, hein, comme je vous l'ai dit. Petit coup de RPG là, quand il passe juste au-dessus de vous. Boum! Appui d'hélicoptère. Ok! Eh ben, je suis là, mon amour, je suis là. Les meilleurs moments, les moments avec Eva, sont toujours les meilleurs moments. Oui. Ah, c'est bien toi. Elle a pris cher. T'inquiète pas. Elle est pas timide. You look like you could use some rest. I'll be fine. It's just that playing these two roles hasn't left me much time to sleep. Where'd you get those cuts? The colonel. He found out? If he knew, I'd be dead already. No, this is his hobby. He's a sadist. D'accord. He gets pleasure out of making people suffer. He's scum. Does it look that strange to you? No. I'm the same way. Scars all over. Oh. Can I see? No. Ouais, c'est vrai que j'en suis pris quelques balles depuis le début de l'aventure. Where'd you get this one? I got it after defecting to the Soviet Union. I don't think so. It's older than that. Mm-hmm. Code breaking is a desk job. Where'd you get this kind of scar? You really want to know? Hmm. Well, too bad. A girl's gotta have some secrets, you know. Oui, c'est cela, oui. But enough about that. You've gotta get going. The phase two trial of the Shagglehot is about to start, and it looks like someone might be coming to spoil the party. Khrushchev? His forces are on their way here. The colonel is gathering his troops together to meet them. If we don't get a move on, the security will be even tighter than it is now. You'll need this key. It unlocks the door to the underground tunnel. Once you're in there, you can follow the tunnel to get inside Groznygrad. And take this too. What is it? The food of the future. A well-balanced meal for the space age. It's good to eat some real food once in a while. I'll bet if I kissed you,
You taste like a wild beast. Do you know where exactly in Groznygrad Sokolov is located? He's in the heart of the fortress. The Au moins, on a de la nourriture du futur, ce qui est déjà pas mal. Trois ailes, d'accord. Ok. Finally, there's the west wing, which is connected via a passageway to the main building. D'accord. That's where Sokolov is. D'accord. To get in, you'll have to enter the main wing from the east wing. Then, d'accord, go through the passageway on the second floor of the main wing. Deuxième étage. The west wing of the weapons lab. Got it. Ça va. There's just one problem. Mais non. Not again. The west wing is protected by the highest level of security. Ah. You need to be colonel class to get in. Colonel class. Here, look at this picture. Major Ivan Rydenovich Rykov. Pretend you're him. How do D'accord. I do that? Il va falloir un uniforme. Il va devoir voler un uniforme. Steal his clothes. Bah oui. You look similar from behind. They won't know the difference. De toute façon, ça me fera très très plaisir de le défoncer. Problem, so you just have to figure something out. He should be somewhere in the east wing. D'accord, il est dans l'aile est. On va devoir le défoncer. All right. But how am I supposed to escape once I get Sokolov out of there? Par la porte. Command said you're supposed to have something ready for me. And I do. There's a lake 30 miles north of here. D'accord. I hid a wig there. Un wig. A wig. It's a state-of-the-art ground effect vehicle. D'accord. A ground effect vehicle? I can't fly one of those. That's okay. I happen to be an excellent pilot. Taking off from a lake is trickier than it looks. It's not like riding a motorcycle. You've got to be more delicate. Of course I will. You've seen how good I am with the bike, right? Tout à fait. Right. You handle the escape then. I'll head for Groznygrad. Oui. Allons à Groznygrad. Wait a minute. There's something I wanted to ask you. What? Oui, je suis gay. What's the story between you and the boss? She was like a mother. Oui, c'est ma maman. And my master. And your lover? It went deeper than that. Deeper? Plus loin que l'amour. Oh là là. Half of me belongs to the boss. Do you love her? No, nothing like that. Do you hate her? Does it have to be one or the other? Love or hate? Between a man and a woman? You bet. Mais non. For 10 years, we lived and died together. You couldn't possibly understand. And you think you can kill her now? Mais oui. J'aurais mon flingue et mettrais une balle dans la tête. That's your mission, isn't it? Assassinating the boss? Snake, is there anyone you like? Someone special? Non, y a personne. I've never been interested in other people's lives. You were interested in the boss. She was different. Really? How do you feel about me? I should be asking you the same question. Me? I can fall in love if it's part of the mission. Mm-hmm. Even with you. Pour être tombée amoureuse, d'accord. Elle tombe amoureuse sur commande. Eva. Notre belle Eva. Snake? J'ai dit, je suis gay. Je n'aime pas les femmes. Je préfère le colonel Campbell. Lui, c'est un vrai mec. What's wrong? No.
Ça a tiré. Dépêchons-nous. Ben voilà, nous on va passer par là aussi. On va prendre un deltaplane. What about you? I've got to hurry back and play my other part. Are you going to be okay? Not sure. They're not stupid and they know there's a spy. There's no way you could have gotten this far all by yourself. Mm-hmm. On se demande à quoi sert sa combinaison de moto. Il y en a un qui est en train de prendre cher là dans son tonneau. Qui est-il? Ah oui, il prend très très cher. Cet homme se fout. Ah non, pas lui! Granine! Je pense pas, non. Non, he died before I could get it out of him. Pauvre homme. Was it the spy then? Ah. Look at this. A transmitter? Un transmetteur. Exactly. Mon Dieu. Planted to keep someone informed of his location. But does this mean Grannon was the spy? Perhaps he was being used by someone else. Perhaps. This man was our comrade. Comrade or not, he's of no use to us now. I don't approve of your methods. I don't need your approval. I'm in command. Mais oui, tu es aux commandes, Volgin. Très bien. Après, quand t'es mis une balle dans la tête, tu seras mon commandant. Et cette nucléaire shell? Still feeling sore about that, are you? What are you gonna do? Report it to the authorities? Excusez-moi, trouvez des ogives nucléaires. This is war, Major. The Cold War, fought with information and espionage. We must root out spies wherever they hide. Mais oui. It is kill or be killed. Potential threats must be weeded out. D'accord. Your feelings are a menace to the unity of our organization. Someone is guiding the enemy's hand. A single man can only accomplish so much. Merci. Make no mistake, there is a spy among us. But casting suspicion on our own comrades. The C3 explosives have been stolen. You think it was the American? No. He could not have reached this fortress yet. Ah, on n'est pas loin, on n'est pas loin. On arrive. Who? I'd be careful about suspecting your own men. Boss! Where have you been? The fear and the end have fallen. Très bien. Damn it. Il n'en reste plus que deux. CIA dog? That leaves only the Fury. How can the legendary Cobras be beaten so easily? He's good. Fallen for him? Don't worry. I'll take care of him. Oui. What is he after? Must be more than just Sokolov. America is out to destroy the Shagahat and get its hands on your inheritance. The philosopher's legacy. Impossible. The legacy, it... The
And they're out to kill me as well. Voilà, il en reste plus que deux, The Fury et The Boss. Colonel tightened the security on this place. He's coming here, I'm sure of it. I'm gonna get the Davy Crockett. Eh oui, prends le Davy Crockett, c'est une très bonne arme. Extrêmement inutile. Allez. Très intelligent ce petit ocelot. Nice boots. Make sure you polish them up properly. Mais oui, quel bruit. Et moi j'ai tout vu dans mes jumelles. Elle était vite quand même pour aller en moto jusque là-bas et mettre son slip. Hein quand même. Ah moi je dis ça, j'ai rien. Allez, on a tout. La forteresse de Groznygrad à faire. Et le tunnel d'avant. Alors, allez, moi je peux pas sauter là en deltaplane. Ah, ce serait tellement pratique. Tant pis, le jeu ne me laisse pas jouer. Allez. On y va. Avec notre fusil à pompe. De la moue. De la bouffe. De la bouffe. De la bouffe. Des nouilles instantanées. Des munitions. On a déjà tout. Et hop là. On va se mettre en dessous du lit. On a même eu le temps de refaire le lit et tout. Ok, ok, on a tout, on a tout, on a tout. Attention aux scorpions qui peuvent nous bouffer la vie. Alors, on doit repasser par ici. Et redescendre jusqu'en bas, trouver le bon chemin. Alors. Il y avait un mec au lance-flammes. J'ai pas pu me déplacer là. Aïe, je vois rien, je vois rien. Je me laisse pas voir. Le jeu qui me maltraite là. Il me maltraite le jeu. J'aime pas ça. On est en train de se faire défoncer. J'ai un petit peu de cigare en plus. Sur la blessure grave, ça fait toujours du bien. C'est quoi ça? Il y en a encore un? Mais il est où? Il est où? On va se laisser mourir, hein. On a échoué. On va recommencer. Oui, Snake is dead.
Je me suis fait maltraiter. Et je n'aime pas ça. On est les mecs au lance-flammes maintenant. Nouvel adversaire. Ouais, je peux pas me déplacer. Je peux pas me déplacer des fois. C'est vachement chiant. Je peux pas me déplacer. Je peux rien faire. Des fois, je ne peux rien faire. C'est très bizarre. L'ordinateur refuse. Enfin, la console, hein, parce que c'était une console. Refuse que je me déplace. C'est quand même fou. Hein. Allez. Voilà. Ok. Encore une fois, j'ai visé dans un endroit normalement qui devait le tuer et ça l'a pas tué. Les mecs qui survivent à 12 000 balles, quoi, sérieux. Je peux rien faire, je peux pas me lever. C'est fou ça. La console refuse que je me lève. C'est hallucinant ça. Ça va me fatiguer. Si ça le fait trop souvent, ça va énormément me fatiguer ça. Et là, lui est mort en une seule balle. Je vais pas monter là, je vais pas finir. Allez, monte. Qu'est-ce qu'on a ? Allez, on descend. Uniforme éclair. This is HQ. Ok. Mais en fait, je redescends, mais je sais même plus où est-ce que je dois aller. Et voilà, ça va rebugger. Ça va me remettre le codec 200 fois. Merci. Alors, destination... Non. Ouais, donc c'était vraiment pas par là. C'était pas là. Pourquoi je peux pas bouger la carte ? Carte ? Merci. Je sais plus où je dois aller. Elle est dans la tête là. Plusieurs fois je leur tire dans la tête et ça leur fait rien quoi. Somebody there. This is HQ.
Qu'est-ce qu'il fait? T'inquiète. Ça va aller, Snake. C'est qu'une jambe cassée. Ce n'est pas très grave. Tout le monde va bien. On va tout de suite beaucoup mieux avec une jambe cassée. Hein. Allez, on se casse. Refuge de Krasnogorier. Qui m'a vu? Un mec qui a popé derrière moi. Un mec qui a popé derrière moi. C'est dégueulasse. Sérieux. Ça devrait pas pouvoir être fait, ça. L'ennemi devrait pas pouvoir popé derrière vous, en fait. Hein? Genre, tu peux péter, quand même. Ok, je sais pas ce qu'il m'a mis à terre, là, mais... Certainement pas lui, hein, parce qu'il était mort. Enfin, il est tout seul. Alors, je peux pas remonter. Ah. Dis-moi que je suis descendu pour rien. Non, non, je suis pas là. Je suis descendu pour rien, c'est ça que t'es en train de me dire, le jeu? Non, je ne pense pas, le jeu n'est pas aussi méchant. Relevé. Comme des organes de visée de merde, hein, le code 1911. Descendu, vous voyez, encore une fois, je serais descendu, je me serais fait avoir. Par ce jeu pervers. Plus. Comment ils ont fait pour... Enfin, comment il a fait pour pouvoir contacter le QG alors qu'il s'est pris une décharge de fusil à pompe dans la bouche? Je me suicider, tu vois. Alors. Ce sera plus simple, parce que là, je suis perdu, je sais plus où je dois aller. Oh non! Mais au moins, il faudrait que je retrouve du médicament de vie, par contre, ce serait pas mal. Mais quoi, qu'est-ce... Encore une de ces conneries de
scarabée là de. Ou je ne sais quoi. Bon, c'est quoi ça? Blessure par balle ici. Ok. Coupure profonde. J'ai eu ça moi. Ok. Je savais même pas. Alors. Bon, je ne sais plus du tout où je dois aller. Je suis perdu. Et ça m'ennuie. Allez, Snake, Snake, voilà, va dans le trou. Bon. Alors, des munitions, que d'armes qu'on n'utilise pas. Des fois, tu t'allonges, mais genre 5 ou 6 secondes à démarrer. C'est assez perturbant. Non, toujours pas le codec. Je veux, voilà, me soigner. On avait dit que c'était bon la chèvre. Hein. La chèvre crue. Allez. Mais donc, où est-ce que je dois aller? Parce que là on a vu que je pouvais pas descendre plus bas quoi, donc c'est forcément par ici. Attends, il faut continuer à monter. C'est là qu'on monte. Allez, bouge le pied. Hop là. Ça rappelle un endroit ça. Ouais. Allez, on bouge le Snake, on avance. Alors, je sais plus. Remettre tout le temps le la radio, le deck, la radio quoi. Ok. Pas d'ennemis. Pas d'ennemis. Où il est l'hélico? Il est là. Ok. Est-ce qu'on avance? Non. Là on est revenu au même endroit qu'on était tout à l'heure, hein, précédemment. À l'avantage qu'on n'est plus en alerte, ce qui est déjà pas mal. On trouve du désinfectant, des attelles. Des rations russes, très bien. Mais ça va pas nous sauver la vie. Enfin si, un peu, mais pas trop non plus. Bon, on est revenu là. Le tunnel. Il est là.
Des fois, je mérite vraiment une balle. Hein. Voilà. On a trouvé le tunnel. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.